conseil de monde qui était sinistré dans quoi des bouquets et nous avons utilisé espace ça et l'ICA pour nous être capable de mettre et monde qui était victime qui était sinistré et à partir de lundi l'école a ouvert moi quoi li important jodi a pour nous ta dit monde ça même les habiter là pour nous ta bailler un ticket pour aller la caillou et puis on constater le côté nous prend machine pour aller déposer la caillou. Et lundi l'école a ouvert, nous obligé libérer espace là pour tout petit monde capable d'entrer l'école. Si toutefois je dis à eux même l'espace là et l'école va pas ouvrir, on est obligé bailler petit monde une chance pour aller à l'école. Et tout le monde qui est victime dans telle situation, mais il y a des monde qui plus victime que l'autre. Nous même armée du salut nous sans discrimination qui c'est une organisation à la fois sociale et religieuse côté que nous là yo frappé par un tel cyclone que nous venir nous côté soutien nous dans la mesure que nous capables. Nous avons porté kit là, c'est parce que nous avons eu un pile de monde. Et c'est kit hygiénique. Nous avons venu porter support nous, la population et puis avec la mairie de la Croix des Bouquets. De concert avec une association qui est l'ASFAB, qui est l'association des femmes actives de bon repos, et puis avec Plan Haïti. Mais c'est qui ça et qui en a quitté et pas Plan Haïti vous-même? Nous avons eu un pain, une brosse, une brosse à dents, une brosse tête, une dentifrice. Et serviette hygiénique, et l'aime de serviette hygiénique, il y a un codex, il y a un papier hygiénique tout pour nous. Et puis, il y a un napkin, et puis des effets pour stériliser les mains, parce que nous connaissons après le cyclone, après une vague choléra. Hier encore, je suis retourné dans le département de la Grandance parce que le candidat Jovenel était descendu en bas avec un bateau. Il t'a pas fait des distributions. Donc en ma qualité de sénateur, je suis obligé de retourner pour que normalement on me assure que chaque commune joue un bagage dans sa tête dans le bateau. Effectivement, d'une manière méthodique, il a assuré la distribution avec les maires et puis les représentants des organisations de la société civile. Donc ça fait, maintenant je suis à nouveau à la capitale pour voir avec des organisations telles que Food for the Poor et le gouvernement haïtien pour qu'on sa gouvernement a décidé parce qu'il y a trois étapes dans cette affaire. Il y a une première étape qui consiste à fournir de l'eau potable et une assistance première à la population parce que qu'on est en bas, dans ce sens, c'est vivre, c'est plus véritable, c'est tout bas à écraser. Donc il va falloir donner une assistance à court terme et à moyen terme. C'est-à-dire il faut qu'il y ait des semences d'une série de produits qui normalement est réalisé rapide, tant que maïs, tant que patate, dans l'espace de 2 mois, 3 mois, pour que normalement il y ait un petit soulagement qui fait, en attendant que l'appui pour que pied bois pas fini tomber reprend feuille. Et troisième étape là, qui est plus ou moins à long terme, c'est comment le gouvernement va organiser la reconstruction. Parce qu'il faut comprendre aussi toutes les écoles en bas crasées, les hôpitaux, les centres de santé, etc., toutes crasées. Donc, il va falloir avancer vers la reconstruction de la zone. Mais pour que cela puisse se faire, il faut que, c'est pas seulement le gouvernement qui va pouvoir le faire, il faut que y ait une participation citoyenne dans le pays, solidarité de tout le monde. Il faut que les gens qui sont victimes aussi acceptent d'avancer dans le processus de solidarité parce que forme d'eau par exemple que ma maison en bas Adam Marie j'ai 2 maisons, il y en a une qui crasée, il y en a une qui pas crasée, mais ça pas crasé actuellement, il loger près de 200 personnes. Donc imagine un cas privé qui gagne 200 monde là-dedans qui monte et descend toute la journée. Donc ça veut dire que c'est pour vous dire dans quelle situation que pays a été. Nous voulons attirer en fait attention l'État sous sud-est principalement dans la commune de Sapit, côté que je représente. Dans la commune de Sapit, nous connaissons que c'est une zone côtière également. Donc, il y a tout bateau, bien ça, et canotte, et pêcheur qui est écrasé. Ils ont perdu tout filet, tout matériel de pêche qu'ils ont gagné. Et il y a plus de 27 maisons qui sont endommagées dans le littoral là et toute route yo crasé. Donc dans ça me tient à ce que nous attirer attention l'état sous situation que moun en sapit yé journée jodi. Dans niveau première section,
tout jardin moun yo aller et tout bête yo mouri tant pou cabrit cochon et bourrique bœuf il y a pile là-dedans qui mouri surtout nous connaît les gagnants en fait la pluie cap tomber comme ça depuis l'eau tomber dans oreille bête ça yo yo mouri dans niveau deuxième section tout ça les plantations banane yo toute plantation banane yo tout à terre et toute bête moun yo mouri donc nous tient à ce que nous attirer l'état central là attirer attention l'état central là sur question ça pas seulement au niveau grandeur au niveau et les cailles et que situation grave mais situation aussi grave tout pour moun dans commune sa vie nous vinn là pour lancer un appel à communauté internationale là à moun dans diaspora yo à tout haïtien nous voulons sensibiliser yo sous situation difficile que mon tibio a vécu aujourd'hui. Nous pas une bouche pour nous parler, même si nous expliquer, c'est ouais pour nous dire ouais, ça va passer. Malheureusement, il n'y a pas de route, pas de voie d'accès du tout pour caméra aller pour aller. Mais situation difficile et nous demander support tout le monde pour mon tibio pas continuer. Mourir pile sous pile. Comment autorité zone là qui sont fait déjà qui démarche réalité du monde. Qui démarche nous fait nous essayer contacter gouvernement des travaux publics qui a baissé des blés ou là mais on connaît petit bureau dans dernier bout pour arriver ça prend pile temps actuellement quoi dans zone pour habillement mais la prend 2 ou 3 jours avant pour arriver petit bureau. Et là encore gros phénomène tout bloyo main hauteur pour traverser yo. Même quand on a déblayé, on pas qu'à traverser parce que l'eau est gros toujours. Vous parlez de la qualité de l'eau, vous parlez de l'eau. Est-ce que vous identifiez déjà la priorité qui est supposé intervenir rapidement là pour apporter secours aux populations? Rapidement pour apporter secours aux populations, c'est ça que demander au gouvernement intervenir par la voie maritime pour garde-côte, utiliser garde-côte pour faire ça à côté pour Tibion pour apporter par la voie maritime. Venir dans le sud là et tout Cap-Perrin, tout Saint-Louis du Sud et Akin, nous avons des pieds bois campés, des kaitol qui campés, des cocoyers qui campés. Dans le Nord, nous ne savons pas combien d'années nous avons parlé de cocoyers, nous ne savons pas combien d'années nous avons parlé de pieds bois. Quel que soit tout bois ça qui rache, qui coupe, casse ça, nous avons fait charbon pour être capable de kembe, nous avons même une feuille bois pour être capable de faire charbon. Mais aujourd'hui, Gandans li pa gen abri, Gandans pa gen logement, moun yo aux abois, son population qui gon catastrophe devant yo. Et hier la kay mwen nan Moron gen 32 cas de choléra que yo enregistré. Nan Bonbon c'est de l'eau la rivière que y a boué. Nan Dame Marie nous connaît la mer a té monté. Nan Iwa c'est même gens, Anzeno même gens. Pestel nous tande maïs a tal marché de 3 et pendant 3 heures de temps pour nous tête monde nous débarrasser d'information. Pas d'information, c'est avant hier vinn gon di signal digital jusqu'à présent pas un signal natcom. Moi même là me parler puisque Jérémy Rozo pas un début de tout, toujours font parler pour yo. Ville Jérémy hein, la cité des poètes, nous ka dit son ville qui tout à fait morte, excepté maison en béton. Nous même nous venir là, nous t'attend président entrer pour nous qui ça le déporter. Nous t'ai accueilli président sous Wab Jérémy en samedi, il était passé caïe avec là, il passé dans quartier populaire sous Platon. Président dit gain aide cap entrer gain solidarité qui a dégagé jusqu'à présent pour consentir jusqu'à hier pas de gain aide qui est débarqué moi me prendre sous responsabilité comme parlementaire son voix autorisée population mon chambelan en grandance qui dit pas gain aide qui vient en grandance nous est OIM nous est quoi aux international nous est métier sans frontières m'a questionné qui ça y a fait en grandance. C'est pour nous rapatrier tout matériel CNE, pour nous aller déblayer toute route pour permettre que côte sud là ou ba accès à lui pour aller sauver monde pour que faut nous enterrer moi mes amis. Nous pas quitter population exposée à monde qui mourir pour enterrer jour côté m'a parlé là yo et monde qui mourir dans choléra yo. L'état fait pour arriver sous côte sud là au plus tard après-midi. Yo dit que yo pral travail sur lui nous pas doit attendre parce que c'est demain ou bien après-demain pour gagner accès. Faut que TPTC rentrer dans toute côte sud là pour nous ba accès. Faut nous ba accès pour tout comment son candidat ka ba accès pour aller dans Marie. Côté TPTC, c'est exprès nous faire alors.
Nous faisons exprès pour que l'État ne prenne pas responsabilité pour nous capables de favoriser des candidats. Et l'histoire pour juger nous, et m'a dit ça moi-même, m'a dénoncé nous. C'est un candidat qui a déblayé pour rentrer dans Marie, côté PTC. M'a dit, faut que l'État rentre dans la section communale. Moun ka bay aide yo, Food for the Poor a bay en pile aide Caritas. Toute organisation qui joigne aide dans main Food for the Poor ou bien dans main l'autre organisme. Faut nan joine moun yo dans section communale, on pa ka kay tout bagay yo dans ville yo. En pile moun ka mouri yo, rendel son section communale dans Chardonnay Akelier. Donc si n'a bay et aide là nous potel Rochabato, nous potel Chardonnay, moun en dans rendel pa joine nous, moun en dans section communale, moun nan tout sa petit bureau pa joine ni. C'est pour que nous arrivions en dans section communale pour que nous porter soin by moun yo. Gan pile moun ki malade l'hôpital qui pa gen médicament. Gen en pile moun ki pa capable déplacer non plus pour vinn en dans ville là pour vinn ravitailler pour non petit de l'eau pour vinn manger pour manger pas rien comme tout d'ailleurs. Donc que l'État prend responsabilité pour bay accès. C'est premier bagarre ou te madame ki sa kou fait accès. Que TPTC avec CNE bay accès déblayer route yo pour capable permettre que moun rive ba moun tout organisme qui voulait porter coller al bay service à population. Autre chose, tout moun qui gen médicament que ministère santé publique travaille avec un pile organisme tant nationaux qu'internationaux pour ensemble nous décider comment nous pral contrer choléra. Parce que choléra, depuis le commencement, là. Il prend l'étaler, il prend tout le pays à parler comme ça. Il y a une intervention rapide qui doit être faite en dans Côte-Sud, là, Jodia, Poupita. C'est ça, nous-mêmes, c'est appel ça que nous lançons par l'État central. Mais comme on est l'État central, là, très prédateur, et l'État central, là, il corrompu une action que l'a prend pour favoriser les candidats. Alors, ce sont du cargo de non-food items qui nous sont acheminés par les Américains, notamment l'OFDA. L'OIM a la responsabilité de recevoir le fret, de le dédouaner, de le stocker et de l'envoyer très rapidement directement sur nos entrepôts qui sont basés certainement à Grand'Anse, au sud, en principal. Donc ces entrepôts vont recevoir l'appui de staff de l'OIM pour les distributions avec en partenariat les ONG et la DPC. Dans les jours à venir, à peu près une quantité correspondant à peu près 40 000 familles, avec en plus du stock que l'OIM a prépositionné dans tout le pays et notamment dans la Grand'Anse et le Sud. Donc il y a déjà du stock prépositionné par l'OIM et l'OFDA qui sont en distribution en ce moment par nos partenaires d'ONG. Et donc ce stock-là est en complément. Il part en hélicoptère et il part également par route. On a un convoi demain qui va partir très tôt demain matin en direction de Jérémy. Et il va s'arrêter aux cailles pour approvisionner aussi les cailles. Et concernant la distribution, ça commence déjà La distribution, effectivement, a déjà commencé avec nos partenaires. Je pense par exemple à Acted au niveau de Jérémy. Je pense également aux cailles avec CRS. Donc le but, c'est d'envoyer un maximum de matériel sur place pour pouvoir continuer les distributions massives. Alors, toutes les organisations sont bien évidemment les bienvenues, en tout cas pour demander l'accès aux non-food items. Pour cela, il faut qu'elles demandent une approbation de la DPC et l'OIM se mettra en contact avec les organisations pour les aider. La distribution est faite surtout par les partenaires. Donc nous, notre rôle, c'est d'acheminer et d'identifier les bénéficiaires.
Pour cela, nous avons des études d'évaluation que nous ferons sur place. Et comme je vous l'ai dit, les distributions ont déjà commencé et elles vont se poursuivre dans les prochaines semaines. Bien sûr, nous n'oublions pas les habitants qui ont été sévèrement touchés, qui sont dans les alentours aussi de toute la côte sud, et non pas que Jérémy et les Cailles. Donc la priorité pour les hélicoptères, c'est d'atteindre ces gens-là. Nous pensons que c'est important pour nous répondre à l'appel. Répondre à l'appel, ce n'est pas le gouvernement, mais nous-mêmes en tant que citoyens, il faut que nous fassions devoir nous. Et pour nous répondre, pour nous aider à l'aide de notre assistance internationale, nous avons passé le 12 janvier dans le tremblement de terre. Et nous pensons que c'est ça qui encourage nous de façon que nous avons incité tout le monde à faire un minimum geste pour nous aider à l'autre frère nous, parce que la situation est grave. Et j'ai contact avec plusieurs magistrats dans le sud de Cabrelim, parce que là, nous avons déplacé, là, nous avons fait base au Coteau pour nous aider vraiment avec l'équipe brigadier municipale qui était formée dans le Port-au-Prince. Nous avons aidé, fait nettoyage, déblayement de zone et aider les gens à recamper sous pied de façon que la vie faut continuer et faut que nous reconstruisions. Nous pensons que c'est important que nous fassions sensibilisation ça pour nous vraiment aider dans la zone ça vraiment. Après le nettoyage que vous allez faire, quelle autre forme d'aide que vous même vous comptez porter pour vous? Bon, nous avons fait appel à un collègue de RAD parce que nous connaissons complètement tout bas et perdu. Et vraiment, nous répondons à l'appel. Et je dis, citoyens, ça vous répondez à l'appel pour porter RAD. Je dis merci en pile. Je vais citer nous tous. Mais je dis nous tous merci beaucoup parce que le nombre de monde qui va recevoir, je dis nous merci. Et nous continuons à collecter toujours parce que. Et bon, regardez le cas présent pendant nos campés là, après que mes citoyens ont porté rat jusqu'à présent vini. Vous comprenez? Et nous pensons que c'est important que les gens viennent et continuent à support pour les gens dans le Grand Sud, dans le Grand Dance, parce que donc ça aussi, ils ont porté rat. Et les magistrats ont parlé avec eux, trop contents que l'aide soit venue. Et nous demandons de continuer à porter un rat sur place Calbois, continuer à porter rat dans l'INAGE, avec l'association collective étudiants et universitaires. Pour continuer à faire geste de façon que nous sortions de nos problèmes, ce n'est pas étranger, bien que elle étranger a venu, c'est vrai, et nous avons dit merci quand même. Mais quand même, il faut que nous-mêmes en Haïti, nous apprenions et de tête nous. Et c'est ça qu'on a fait. Parce que devine, c'est l'union fait la force. Et bien, je dis à la sud, grand danse, le gros danger, département NIP, ils sont en péril. Et bien, il faut que c'est nous qui pour mettre ensemble et nous à sortir de côté là. Ensemble, nous devrions construire notre société qui est tant déchirée. Aujourd'hui est un jour vraiment important de prise de conscience. Nous avons tous tort. Toi, moi, nous tous, nous avons tous tort. Haïtiens, Haïtiennes, travaillons ensemble pour reconstruire ce pays moralement.
politiquement, socialement, économiquement. Je dis bien économiquement, et c'est la raison pour laquelle que nous sommes ici pour prier, pour chanter, pour cette ouverture de l'année fiscale. Payer à l'État ce qui lui est dû, c'est ce que la population devrait faire. Nous autres, peuple de Dieu, citoyens de ce pays, nous devrions toujours payer à l'État ce qui lui est dû. Personne n'aime de bon gré payer l'impôt. Il faut souvent faire montre d'opiniâtreté, de persuasion, de persévérance pour porter les plus réfractaires à s'acquitter de leurs obligations fiscales. Aussi, qu'il nous soit permis de rendre un hommage public et bien mérité à tous les personnels de la DGI qui n'a pas ménagé ses efforts pour que nous puissions atteindre nos prévisions de recettes, voire les dépasser. En effet, malgré la conjoncture socio-économique difficile, nous avons pu réaliser un écart positif de plus d'un milliard de gourdes par rapport aux prévisions et de plus de 4 milliards en endettement annuel. Nous savons que nous pouvons continuer à compter sur l'accompagnement sans faille du ministère pour atteindre nos objectifs. Nous avons aussi compris qu'il faut compter sur les forces qui nous transcendent tous pour les réaliser. C'est pourquoi nous avons décidé, depuis octobre 2015, d'inaugurer la rentrée fiscale par une messe d'action de grâce. Par ce geste, nous nous remettons à Dieu qui a cheminé avec nous tout au long de la précédente année.